Alors qu'est-ce qu'il veut là notre super samouraï? Pff, le coup de pied, pas double coup de pied. Ah oui, il a perdu son bras le mec. Il est tellement puissant qu'il a arraché un bras. Alors, où en sommes-nous? On se rapproche du Black Desert. Ouais, il me tarde de les trouver ces ninjas. Il me tarde de me mesurer à eux là. Bon, qu'est-ce qu'on va rencontrer sur le chemin? Je pense qu'il y a des écumeurs. Des bandes d'écumeurs aussi peut-être. Là, il y a un chêne dur. Là-bas, c'est quoi ça? Des fermiers rebelles, on peut se les faire maintenant. L'écumeur, quand il est tout seul, il n'y a pas de souci. Chêne dur, est-ce qu'on a besoin de... plus de nourriture, je crois que c'était quelqu'un nous qui avait besoin de nourriture. Oui mais c'est vrai qu'il est bondé, la nourriture on en a, hein, ça va. Le désert, on s'en fait de la bouffe. On va continuer, alors j'espère qu'il n'y a pas de pluie acide hein, là-bas dans le Black Desert. Hein, parce qu'on n'est pas équipé pour ça, hein. Faudra vite trouver un abri si c'est le cas. Ou vite trouver le camp de ces fameux ninjas. S'ils sont bien ici, hein, normalement... ça devrait être le cas, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Ninja nuage. Ah, mais je crois que c'est eux. C'est eux les ninjas du Black Desert, hein. C'est les ninjas du nuage, les Cloud Ninja. Allez, on va s'en lancer. De toute façon, va falloir partir à leur rencontre tôt ou tard. Il faut surtout trouver leur campement. Il faut trouver où est leur repère là. Voilà, ils ont tous en même temps. Ils n'ont pas aimé de passer là. Ils n'ont pas aimé passer là-dedans. Ah, mesdames et messieurs, qu'est-ce que nous voyons au loin? Qu'est-ce qu'on a au loin? Maison métal, on peut acheter, on peut venir ici. Hein. Qu'est-ce donc? On va aller jeter un œil. Allons voir ça de plus près. Ah, pas de géant. J'aurais bien aimé à la rencontre de ces ninjas. Pourquoi on tousse là? Ah, c'est du gaz, il y a du poison ici. Oh. Ok. Ah ouais, mais on va tous crever en fait. Qu'est-ce qu'il a lui qui le protège? Gaz 70%. Il a la protection. Comment on va faire? Faut qu'on sorte de là, non? On va pas rester là. On va pas rester parce que tout le monde va mourir. Je le sens gros comme une maison là. Je suis en train de faire une énorme bêtise. J'en ai 2-3 qui ont les protections. Air Max, il va clamser là. Que se passe-t-il? On se fait attaquer déjà direct. On cherche à fuir cet endroit, on se fait attaquer. Mais Armac, il est à 0. Il est toujours vivant. Ou c'est juste que la prochaine fois, ce sera le coup fatal. Bon, on va devoir les attaquer de toute façon. On peut pas se laisser faire comme ça là.
Allez, il est où le boss? Oh, le coup de pied retourné, c'est énorme! Oh, c'est énorme! Allez, va voir tes troupes. Ce qu'ils sont dans de beaux draps là. On est mal en point, hein. Putain, ils sont balèzes en plus, hein. Oh, il est génial le mec. Et après, il en fait là. Il fait le petit geste de la main, venez. Allez, bam! Oh là là, défoncé en un coup. Oh, mais ça y est! Le moine aussi, il s'y met, la moine stone. C'est la même, hein. Eh, il arrive à éviter quand même avec sa grosse armure, hein. Putain, on est mal, hein. On est très très mal. Surtout que notre boss, la poitrine, elle prend un coup aussi, hein. Ah, il a été blessé. Il est encore blessé. Faut pas qu'il soit trop touché à la poitrine. Attendez, faut que j'aille voir leur équipement, là. Faut voir si eux peuvent se soigner. Pas se soigner. Non. Je veux voir s'ils ont quelque chose pour le gaz. Ils ont l'acide. Ah si, ah, les mecs ils sont ici, ils ont rien pour se protéger du gaz. C'est une blague. Sub-Zero, pourquoi tu... Attends, sérieux, c'est une blague. Sub-Zero, lui, tranquille, la force tranquille, hein, en plein milieu. Il attend. On est un peu en galère, hein, quand même, je trouve, hein. On est un peu beaucoup en galère. Bon, va falloir qu'on se sorte de là et qu'on réfléchisse à une stratégie parce que là... Là, ça va pas. Là, ça va pas. Je veux qu'on ramasse les hommes. On va ramasser tout ce qu'on peut. On va se sortir de là. Moins 11 en poitrine. C'est pas bon, c'est pas bon. Tout le monde a récupéré son fardeau. Allez, on sort de cette zone. Alors non, c'est chacun pour sa peau, hein. Parce que s'il y en a qui tombent derrière, on pourra plus les récupérer là. Moins de 32, il est toujours debout. Mes poumons, eh oui, mes poumons, je sais. Putain, il y en a qui tombent, hein, il y en a qui tombent. On est mal, hein. J'aurais dû partir en reconnaissance, j'ai été stupide. Oh là 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 là. Ah mais le leader Storm Shadow, il est trop pressé d'aller retrouver son élève, hein. Là c'est une erreur stratégique, hein. Ça commence où? On peut savoir à partir d'où ça commence ou pas le... On va avoir des morts si on se dépêche pas. Hein. On va poser ici. Hein. Sub-Zero, tu viens là, toi aussi. Toi, tu viens là. J'ai pas de kit médical et alors tu peux pas récupérer un sur lui? Qu'est-ce qu'il y a? Pas de place pour cet article. Te fous pas de moi, allez. Faut que tu te soignes, mec. J'espère qu'ici on fera pas le... Non, parce que lui faut qu'il y retourne. Qui est sur quoi? Donc Stone est par terre ici. Ok. Liu Kang a été récupéré. Griffon, il est à moins 40. Jurgen a été récupéré. Moins 45. Moins 41. Kenpachi est là. Baraka. Bon, Baraka, c'est la dernière recrue. Écoutez, c'est pas très grave. On va... C'est entre Ep et Griffon que ça se joue. Hein. Commande de récupération. Commande de récupération. Je regarde ce où c'est écrit peut-être le pire des cas. Bon, tu vas venir récupérer... Je pense lui qui a moins 45. Hein. Allez. Ah, c'est tendu là. C'est tendu. On s'attendait pas à avoir. À être empoisonné ici. Hein.
Faut bien se le dire, hein. Non, toi tu fais quoi, Sub-Zero? Tu poses. Ok, Sub-Zero, toi tu vas bien. Est-ce que tu peux te faire une attelle? Tu n'as pas de kit attelle. Est-ce que... Je crois que Moine Stone il a un kit attelle. J'aimerais que tu te répares au moins ta blessure. Voilà. Tu t'es réparé ta blessure. Ok, on est bon. Tu vas pouvoir aller chercher Griffon. Putain, ils sont loin en plus les gars. J'espère qu'ils perdent pas plus de vie là. Ça a l'air de tenir, hein. Ça a l'air de tenir. Cabal est à moins 16, il va rester là-bas. Les autres vont rester. Hein. On va ramener un par un. Faut pas prendre l'aggro non plus de ninja. Cabal, tu vas monter les tentes. J'espère vraiment que ici on est. Normalement, oui. On est dans la zone The Eye. On devrait pas avoir ce problème de poison. Donc on va pouvoir construire ici les tentes. On va pas perdre de temps. Camping. On fera un petit feu, on pourra faire de la nourriture. On va se faire des grandes tentes. Pas trop près du feu, il faudrait pas qu'elles crament non plus. On est combien? On a dit qu'on était 13. On fera une médium. Qui a les kits de construction? Les kits de construction, si c'est pas Kenpachi. Baraka, il a quoi lui? C'est ce qu'il a volé récemment. Ça va être... Bardak, non? Pourquoi il a sa barre? Je le reconnais plus là, Bardak. Voilà, là je te reconnais, mec. Non, donc c'est Erma qui avait récupéré. Donc c'est pas lui. Qui a les kits? Donc Sub-Zero, il a de quoi faire le. Comment ça s'appelle? Il a de quoi fabriquer, ok bah c'est lui qui va fabriquer, enfin c'est lui qui va poser après le kit de tente. Donc on va le poser maintenant. Je pensais qu'on avait tous les petits kits mais il nous faut le petit bâtiment là pour les fabriquer. C'est voilà le kit maker, c'est ça que je cherchais. Et c'est donc on a dit l'ami, non mais il est inconscient, il pourra pas les fabriquer, bon, c'est pas grave. Ok, tous ouais. Sub-Zero, t'es où? Toi, t'es reparti chercher quelqu'un. Bardak, tu es là. Jürgen, tu es là. Cabal, tu es là. Ok, désolé, je mets sans arrêt sur pause, mais je peux pas me permettre là de perdre quelqu'un, donc faut que je fasse très attention. Vous savez comment ça se passe, hein. On perd vite tout le monde hein, dans le jeu. C'est assez fatal. Hein. Alors j'espère que ça, c'est pas un nuage empoisonné, hein, parce que là, on l'a juste à côté. De toute façon, si on l'a... Je croyais que c'était les ceux qui étaient debout qui étaient retombés. Donc lui c'est un cabal, il était à moins 16, il est à moins 15, c'est mon point de repère. Tu vas faire ça, cabal. Donc ça veut dire qu'ici ça remonte la poitrine, donc c'est plutôt bon signe. Ça c'est cool. Toi tu reviens. Sub-Zero tu reviens aussi. C'est bien, c'est bien. Tous, et oui là on passe pile dans un nuage. Mais il y en a juste là, c'est pas possible. C'est un mauvais nuage ça. Moins 15. On était à moins 16. C'est pas ici qu'il faut construire. Hein. C'est une erreur. On va venir là. Putain, quelle boulette. Boulette sur boulette, sérieux. Boulette sur boulette, mes amis. Hop là, pour le fun. Le kit maker, on va le faire là, hein. Non mais vite sur pause. Est-ce que toi t'en as récupéré? T'as rien récupéré, tu démantèles. Oh, ça va pas tout ça. Toi tu le récupères, toi tu le récupères. Toi, tu as récupéré le kit de construction, c'est bon. Tu récupères lui. On part plus loin. Sub-Zero, faut que tu viennes jusqu'ici. Et oui, tous là, en plein dans le nuage, putain, quelle horreur.
Quel orage, je les fais passer en plein dedans là. Il nous reste qui là-bas? Lui il est à moins 49. Je crois qu'il doit rester lui. Help. Non, help il est ici. Ok, ça c'est cool. Toi tu perds pas de temps. Tu te soignes. Tu soignes machin. Bon, ça va, c'est pas un nuage, hein. Non, parce que là j'en ai marre, hein. Allez, on pose. Enfin, on les pose, non, ça sert à rien. On va les soigner surtout. Sub-0. Si toi tu vas poser. Allez, Sub-0. Storm Shadow. Allez. Qui ça? Qui ça? Qui ça? Air Mac. Air Mac. Toi tu vas le récupérer. Kenpachi, il est là. Griffon. Yukang. Stone. Et Baraka, il est toujours là-bas. Ok. Ok, donc Baraka, tu vas être ramassé par machin. Allez, faites vite les gars, faites vite là. Tu utilise, fais, c'est ça en priorité. Faut qu'on monte les tentes là, faut que tout le monde puisse se reposer et récupérer. Ramasse, hein, comme ça quand la tente sera prête, tu pourras déjà le jeter dedans. On en est où là? Allez, on accélère là. C'est bon. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a un bras à moins 89? Faut le soigner maintenant là. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Il a bien failli perdre son bras lui, allez. Une chanson, mais on n'a pas le temps pour ça, le barde là. Mais lui, mais sérieux, mais vu la situation, il veut chanter une chanson. Mais il a perdu la boule. Un truc sur les damnés. Bah oui, c'est nous les damnés, effectivement. Mais il va pas nous porter encore plus la poisse là. Oh là là. C'est pas les ninjas qui nous ont fait aussi mal, hein. J'y crois pas, hein. Là, c'est le cumul, hein. C'est les saletés de poison dans l'air là. Ah bah oui, allez, bam, on en remet une couche, hein, on en remet une couche là, hein, ça suffisait pas. Allez, on va s'en sortir. Voilà le kit. J'ai pas l'impression que ça fasse monter quoi que ce soit, non? C'est pas l'ingénieur qui est censé monter? Ils ont été soignés, c'est bon. Ouais, c'est bon, là tu commences à monter la tente, c'est parfait. Parfait, allez les gars. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche là. On va pas prendre trois plombs quand même. Bon, je pense que le pire est derrière nous. On va pouvoir se reposer tranquille. Et puis il va falloir trouver bah, comment s'équiper pour partir là-bas. Mais je comprends pas, les ninjas ils ont même pas de quoi se protéger du poison. Alors ils sont. C'est naturellement déjà qu'ils ne le craignent pas ou c'est. C'est un petit bug du jeu, enfin un bug un oubli. Bon, je sais pas. Bon, on va voir, on va se retrouver à de suite. Panser nos blessures, nous voilà de retour. On va mettre une petite stratégie en place quand même, on va pas se jeter comme ça dans la gueule du loup et on va pas non plus bien prendre le poison dans la tête comme ça, hein, ça va nous affaiblir, on va pas aller très loin. Alors j'ai pas trop compris là ces ninjas comment ils faisaient pour se prémunir du poison, je trouve ça super bizarre. Ce qu'on va faire, on va envoyer un éclaireur. Ce sera Sub-Zero. Sub-Zero va partir avec un masque. Ouais, je vais juste envoyer Sub-Zero parce que lui je crois qu'il perd en furtivité là, non? Ouais, 0-12, oula. Donc Sub-Zero normalement qui est plutôt bon en furtivité. On va laisser celui-là à lui au cas où. Et Sub-Zero. Voilà, il va partir en éclaireur. Donc en fait moi j'ai envoyé tout le monde aux quatre coins de la carte. Voilà, hein, dans la ville ici de La Pointe. À Ingues, ici j'ai envoyé aussi du monde, à Belette, là aussi, pour voir s'il y avait des masques, enfin, s'il y avait des protections pour le gaz, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Donc ça va être compliqué, ça va être compliqué. Alors après,
Je pensais à une autre stratégie aussi, si là on peut pas récupérer de masque, on va voir. On va voir. Sub-Zero doit partir en éclaireur, ça c'est sûr. On a une protection à 100% contre le gaz. On perd des points d'attaque de mêlée. On va laisser nos tout ce qui est sac à dos là. On va laisser à d'autres hein, les porter. Voilà mon petit. Sub-Zero, on va lui laisser un petit peu de nourriture quand même. Et il fallait que je donne cette chemise aussi, je crois que c'est à Baraka. Non, c'est à Kempachi alors. Voilà. Il n'a pas de pantalon lui? J'ai le bon, moyen. Moyen, moyen. Ok. Sub-Zero va devoir partir en éclaireur. Faut aller voir comment ça se passe là-bas. Faut qu'on sache si la personne qu'on recherche y est, peut-être qu'on la verra pas, mais faut qu'on fasse l'état des lieux un petit peu des troupes ennemies. Je crois qu'il toussait. Donc Sub-Zero, hein, je rappelle, il a quand même 41 furtivité. Il peut peut-être assassiner à 35. Et au pire des cas, il peut se débrouiller. Il peut se débrouiller seul. C'est un ancien ninja, hein, Sub-Zero, hein, clairement. On va pas se mentir, il a vraiment les stats pour. Et il est dangereux. C'est son ombre que je voyais là-bas. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'avec ce masque, je peux traverser tranquillement la zone. Il n'y a pas des ninjas quelque part là? Tout à l'heure, ils étaient au tout début, hein. Peut-être qu'ils sont morts, tous asphyxiés. Allez savoir. Attendez 2 secondes. Ouais, c'est bon, je savais pas si j'étais en train d'enregistrer ou pas. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Ouais, c'est rien. Ok, on va se rapprocher tout doucement de leur supposée tanière. Voilà, on va y aller tranquille. T'as la moine ninja. On surveille bien les alentours. Hein. Allez, vas-y, Sub-Zero. On va s'approcher de leur campement là. On va voir, on va un petit peu voir s'il y a du monde à l'intérieur. Pour l'instant, ça va être assez safe. Je vois personne. On est au centre hein, du Black Desert, hein, donc à mon avis, il n'y a que ça ici. Hein. Qu'est-ce qu'ils viendraient vivre là? Puis ils ont même pas de masque, sérieux. C'est là où je comprends pas trop. À mon avis, c'est un oubli des développeurs là de leur mettre des masques. Hop là, on passe la tête par-dessus, hein, ni vu ni connu. Bien sûr, j'ai mon casque comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté. Je vais le rebrancher. Bon, où en étais-je? Alors. Donc là, par contre, là, je fais du 0% en assassinat. C'est pas terrible ça. Je vais pas pouvoir m'infiltrer. J'avais pas vu ça. Laboureur, ninja. Mercante. Ok, il y a du monde. C'est quoi les casques qu'ils portent là? C'est un simple casque ça, hein? Ouais, c'est un simple casque, hein? Ils sont combien ici? Ils sont combien? Vue stratégique. Ouh! Ouh, les tourelles! Alors, ça, je me rappelle, c'est violent. Hein. Ah, c'est violent ça.
pourrait l'harpon double barillé. Ah ouais. Ouais, 76 mètres, bah, c'est à 4 mètres à l'entrée. Donc là, ça te transperce. Tu pars directement de l'autre côté là. Hein. T'es déchiqueté. Hein. Oh, y en a, ils sont morts. Oui, alors c'est sûr que la stratégie, ça pourrait être d'attendre qu'ils crèvent tous, mais. C'est un peu moyen, je trouve, comme stratégie. Enfin. Ça va pas trop, je trouve. C'est un peu nul. Non, là par contre, non. Il n'y a pas d'autre passage, parce que là, les harpons, c'est juste impossible, en fait. On a des moines, on n'a même pas d'armure, on est... Puis ils sont combien à l'intérieur? Je suis sûr qu'il y a une armée dedans, là-dedans, dans tous les bâtiments. Non, non, si je peux pas envoyer tout le monde, si on n'a pas les masques adéquates, on fera pas d'attaque. Et une attaque furtive, là, je vois pas comment. Il y a nulle part où passer... On peut pas passer là. On peut pas passer furtivement. Il y a les gardes à l'entrée, mais bon, c'est pas. On peut les attirer, les gardes à l'entrée. Et ici. Ici, c'est quoi là? Ah, là aussi, il doit y avoir du monde hein, dedans. À mon avis, il y a toute une armée là-dedans. Hein. Je pense que là, ça va être compliqué de les prendre d'assaut. Enfin, du moins si j'ai pas de protection, si j'ai pas de masque pour tout le monde. Si encore j'avais des masques sur tout le monde, la stratégie serait de foncer au harpon en évitant d'avoir trop de pertes. Parce que c'est clairement ça qui nous fait le plus mal là. Ah ouais, là c'est sûr, Sub-Zero il attend. Il attend, ça fait quoi? Ça va mourir? Le mec il tousse, il va tomber dans les vapes lui aussi. Poitrine 1. Ouais, ils vont tomber quoi, mais. Je trouve pas ça très drôle en fait de faire ça, d'attendre que tout le monde tombe et d'aller d'y aller. C'est pas très logique. On va tenter de se rapprocher. On va tenter de se rapprocher. Alors, on va pas faire trop de bruit. Hein. Faudrait pas qu'ils nous découvrent. On avance un peu plus vite. Un peu plus vite, toujours un peu plus vite. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui les attaque? Ah oui, il y a des robots qui travaillent. Ah oui, c'est ça qu'il nous faut aussi, c'est des robots. Eux, ils sont tranquilles. On va peut-être profiter, tiens. Il va tomber, on va laisser le faire. Quoique les robots pilleurs, ils sont pas avec nous. Qu'est-ce qui m'a repéré? On va juste voir comment ça se passe, hein, mais... Ah, le robot a l'air plus faible que lui. Ah ouais, il sait se battre le gars. C'est avec l'épée qu'il saute et tout. Il fait comme nos moines lui, c'est un tueur le mec. Je suis même pas que certain que Sub-Zero un contre 1 il puisse gagner là. On est plus fort, mais il a 58 en esquive. Les robots pilleurs sont résistants. Hein. Ah. C'est pas qu'il vient vers moi, l'autre. Il est quoi? Il est tombé? Ah bah là, c'est le robot pilleur qui est tombé. Qu'est-ce qui se passe? Ouf! Il a été à moins 87 d'un coup avec un coup de harpon! Ah ouais! Ah ouais, moins 87 avec un coup de harpon. Regardez, on en voit là. J'en ai entreaperçu un dedans. Ça me paraît compliqué cette histoire, ça me paraît très 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 compliqué là de les attaquer. Hein. Il va sûrement nous falloir de l'aide, je sais pas là. Comment on va faire?
comment on va faire. Hein. Je pense qu'ils retiennent prisonnier le Padawan de Storm Shadow. Là, je vais devoir faire mon rapport. Hein. Storm Shadow, c'est pas possible. On n'est pas encore prêt là. On n'est pas prêt pour se les faire. Je peux pas me permettre de perdre tout le monde. Je sais pas comment faire là. C'est l'Airpon en fait qui me pose souci. S'ils sont nombreux après, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mais là bon, on va pas traîner là de toute façon. Ça sert à rien. Je pense pas qu'on soit découvert. Et au pire on pourra s'enfuir, je pense. Moi je pense que Storm Shadow il va pas aimer notre rapport là. Là, on n'a pas les forces pour se battre. On n'a pas les forces pour lutter contre ça. Hein. On a même pas les masques en fait. Déjà il y a ça. Donc si les mecs tombent dans les pommes en plein combat, déjà qu'on est peut-être pas assez fort ou suffisant, on n'a pas assez de monde peut-être pour s'attaquer à ça. Hein. Surtout qu'on a encore beaucoup d'apprentis là. On a encore beaucoup d'apprentis, on n'a pas d'armure lourde, à part Storm Shadow, qui est le plus puissant, mais ça suffira pas là. Ça suffira clairement pas. Ils sont combien là? C'est moi qu'ils ont repéré? Ou c'est juste qu'ils parcourent... Ah non. C'est moi qui les ai repérés. J'espère que je dois pas passer par là où ils sont passés. Ok. Ils ont l'air de courir vite. Je vais rejoindre tout le monde. Hein. On se fait courser là. On va sûrement prendre quelques coups. Couf, couf, couf. On a pris un coup là. C'est bon, on en a pris qu'un pour l'instant. Ah bah oui, les mecs, vous toussez, mais c'est normal, hein. Le campement est juste là, on va pouvoir se fighter. Allez-y, venez, venez les gars. Ouais, regardez qu'est-ce qui est là. C'est toute mon équipe qui est là, les mecs. Eh oui. Allez, vas-y, Sub-Zero. Allez, ça fight! Déjà, on va voir ce qu'on vaut. On doit être à égalité, je pense, au niveau nombre. On a peut-être un tout petit peu plus de monde, et encore non, même pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il vaut là, notre super samouraï? Oh, le coup de pied. Bam, double coup de pied. Ah oui, il prend... Oh, il a perdu son bras, le mec. Oh, il est tellement puissant qu'il y a arraché un bras. Oh, il est violent. On a perdu 4 personnes déjà. Oh, on peut pas les attaquer. Avec les harpons, on va perdre trop de monde. Ça va être tendu, hein. Allez, vas-y. Bam. Oh là 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 là, quelle technique. Oh, le mec, il a fait ça toute sa vie, hein. Ça se voit, hein. Il s'est entraîné dur, lui, aux arts martiaux. Il prend quelques coups, quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'il en met? Ouais, viens, viens me voir. Je vais t'exploser. Oh là là, j'adore. J'adore tous les mouvements là qu'ils ont fait pour les arts martiaux. Parce que je crois qu'il y a un mode hein, qui en rajoute de nouveau. Après je sais pas, j'ai jamais eu de guerrier en arts martiaux avec des stats aussi élevés. Et je crois qu'en fait c'est en fonction de
de tes stats que tu as là, t'as des paliers à passer pour débloquer de nouvelles chorégraphies, on va dire. Allez, bam, sur la gueule. Je pense qu'on doit être un peu au max avec lui. À moins qu'il y ait un nouveau truc, peut-être niveau 80, j'en sais rien. Parce que là, on a certes 65 en arts martiaux, mais je pense que pour les mouvements, ils prennent peut-être en compte ce que j'ai là, comme ça, 75. Bon. Bon, Ermac, je crois qu'il s'est levé. Il s'est levé, mais... On va pas... Voilà, on va pas se mentir, on n'est pas prêt à les attaquer, là. On n'est pas prêt du tout. Putain, il est mal embarqué, hein, Cabal. Va soigner Cabal en premier. Ouais, non, là, clairement, on n'est pas prêt. Hein. On n'est pas prêt à les attaquer. S'ils sont beaucoup plus nombreux à l'intérieur, on est foutu. Là, je pense que Storm Shadow, il va devoir un petit peu réfléchir, là. C'est quand même quelqu'un d'assez sage, hein. Il sait quels sont peut-être les combats qui ne sont pas à mener. Quand est-ce qu'il faut les reporter? Parce que là, ça va être difficile. Je ne vois pas auprès de qui on peut aller chercher de l'aide. Si on recrute même des mercenaires ou des chasseurs tech le temps d'un combat, le problème c'est que là, ils vont tous mourir avant même d'arriver jusqu'à la base ennemie. Moi qui ai des mercenaires au marais, mais c'est pareil, hein, au marais de toute façon. Ils vont pas nous suivre assez longtemps pour venir jusque là et ils vont peut-être mourir encore de route. Ocrane nous a épargné. Oui, c'est vrai que lui c'est un adepte d'Ocrane. Alors je sais pas ce qu'il faut dans notre groupe, hein, parce que clairement entre Ermac, Kenpachi et Baraka, je vois pas pour quelle raison il reste là, ce fidèle d'Ocrane. Bon, bah écoutez, on va encore laisser les troupes se reposer et puis on va se retrouver après. Hein. Va y avoir des choix à faire. Après leur dernier combat, les moines furent emprisonnés, afin de lui soutirer des informations. Storm Shadow s'avança vers lui et le questionna sur le disciple qu'il devait détenir. Le prisonnier ne s'en cachait pas. Il détenait bien son élève, mais les ninjas des nuages ne le torturaient pas. Ils cherchaient avant tout à découvrir les secrets des moines, et par la même occasion, faire de lui une de leurs recrues. Storm Shadow était rassuré, bien qu'il ne laissait transparaître aucune émotion, mais le constat était limpide. Nous n'étions pas en mesure de sauver son apprenti. Il devrait attendre. Ceci serait une épreuve qu'il devrait surmonter seul, jusqu'à ce que le groupe de moines soit prêt. Les yeux rivés vers l'horizon, Storm Shadow ne doutait pas un instant de la force mentale de son élève, et connaissait sa patience à toute épreuve. Après tout, c'est lui qui l'avait formé. L'élève attendrait le retour.